Bonjour à tous. Sergio Ramos se poserait des questions sur son avenir au Real Madrid. Une information qui a fait l'effet d'une bombe du côté de Madrid. Le capitaine emblématique de la Casablanca ne serait pas sûr de vouloir continuer sous le maillot merengue. Arrivé à l'été 2005 en provenance de Séville, Ramos est un joueur du Real depuis bientôt 14 ans. Et après plus de 600 matchs sous les couleurs des madrilènes, il est aujourd'hui le taulier du vestiaire et le joueur le plus respecté au club. Son départ de la capitale espagnole aurait sûrement l'effet d'un tremblement de terre à Santiago Bernabéu, mais c'est pourtant bien ce qu'affirme El Chiringuito, une émission de TV espagnole. L'information a ensuite été confirmée par Marca et reprise dans la foulée par AS. Et si Ramos n'est pas sûr de vouloir continuer avec le Real Madrid, c'est parce qu'il penserait que son départ serait bénéfique aux deux parties. En effet, pour l'international ibérique de 33 ans, découvrir un nouveau championnat donnerait un nouveau souffle à sa carrière déjà bien remplie. A noter que son contrat se termine en juin 2021. Ces derniers mois, Manchester United et le PSG se seraient montrés intéressés, mais à chaque fois, leurs avances ont été repoussées par l'entourage du joueur. Cependant, les choses auraient changé dans la tête de Ramos, notamment depuis sa discussion tendue avec le président Florentino Pérez, juste après l'élimination en Ligue des Champions contre l'Ajax. On imagine mal toutefois Zinedine Zidane accepter de se séparer de son capitaine, avec qui il entretient une relation particulière. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, lorsqu'ils ont évolué ensemble sous le même maillot, au Real justement. En tout cas, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le Real Madrid, et le mercato des merengues promet de faire beaucoup de bruit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.